Mes très chers peuples togolais, je vous salue. Je salue tous les Togolais de par le monde. Je salue tous les combattants de la liberté, tous ceux qui, de près ou de loin, luttent pour que l'alternance arrive dans notre pays. Je salue tous les leaders d'associations de droits de l'homme. Je salue la société civile. Je salue les partis politiques dans notre pays, le Togo. Eh bien, mes chers compatriotes, bienvenue dans mon direct. Avant de commencer mon intervention, je vais vous jouer deux discours. Un de Fonia Singbe et deux de Robert Doucet, son coursier. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous demander d'écouter attentivement les propos de ces deux messieurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger sur nos expériences en matière de bonne gouvernance. Dans chacun de nos pays, nous savons qu'une meilleure gouvernance est essentielle pour relever les défis que nos États rencontrent. Mais je veux vous faire part aussi de ma conviction qu'une meilleure gouvernance est nécessaire à l'échelle globale pour contribuer à résoudre des problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés. Je pense aussi bien à la crise alimentaire, à la crise climatique et à la crise sécuritaire. C'est dans cet esprit que je vais partager avec vous d'abord quelques exemples des changements que nous avons réalisés au Togo ces dernières années en matière de gouvernance, avant de poursuivre avec quelques réflexions sur les évolutions essentielles que je souhaiterais voir apparaître dans la gouvernance de nos institutions globales. Commençons par le Togo. Notre ambition stratégique est d'être un État fort, visionnaire et protecteur. Le renforcement de la bonne gouvernance de nos institutions publiques est évidemment une clé pour mettre en œuvre cette stratégie. Pourquoi ? Parce que la bonne gouvernance des institutions publiques contribue à inspirer confiance et légitimité à la population. Elle est le fondement de la stabilité politique et de la cohésion sociale. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Je veux commencer par la légitimité de nos institutions démocratiques. La réforme institutionnelle majeure qui est en cours au Togo transforme notre régime présidentiel en régime parlementaire. Celle-ci vise à mieux équilibrer les pouvoirs exécutifs et législatifs. Il en va de même pour la création d'un Sénat. Nous garantissons ainsi que nos institutions politiques sont inclusives et représentatives. Et nous renforçons aussi la démocratie, la transparence électorale et la redevabilité des gouvernants vis-à-vis de leur population. Autre exemple, la bonne gouvernance de l'appareil judiciaire est indispensable pour que la population ait confiance dans l'état de droit. Au Togo, la nouvelle constitution met en œuvre des réformes renforçant l'indépendance et la transparence de notre système judiciaire. Cela passe notamment par la création d'organes plus indépendants de lutte contre la corruption. Ce type de réforme est souvent l'élément le plus attendu dans un effort de bonne gouvernance politique. Un dernier exemple a trait à la décentralisation de notre administration publique. Son approfondissement permet une plus grande participation des citoyens à la prise de décisions locales. Ce faisant,
nous renforçons la cohésion sociale en rapprochant les services publics des citoyens et en améliorant leur efficacité. On voit à travers ces exemples que la bonne gouvernance est un facteur d'inclusion. Il s'agit le plus souvent de faire place à la voix des citoyens dans le fonctionnement de l'État à travers leur participation et leur représentation. Mais la recherche de la bonne gouvernance va au-delà des institutions. Elle passe par la recherche de la modernité aussi bien dans les technologies que dans les esprits. La bonne gouvernance aujourd'hui a besoin des technologies de pointe. Ainsi, au Togo, nous avons digitalisé de nombreux services publics, ce qui a significativement augmenté leur efficacité et réduit les délais administratifs. C'est pourquoi je suis ouvert à un partenariat stratégique avec la Chine pour bénéficier de son expertise technologique. L'égalité des genres est aussi un accélérateur important de la bonne gouvernance. Au Togo, nous avons adopté des politiques visant à promouvoir la participation des femmes dans tous les domaines de la vie publique. Ainsi, depuis plusieurs années, notre gouvernement est dirigé par Mme Victoire Dobé, première femme chef de gouvernement dans l'histoire de mon pays. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais insister concerne la gouvernance de nos institutions internationales. Je commencerai par les institutions globales. L'avis général est que les institutions internationales ne fonctionnent pas bien et la gouvernance mondiale laisse à désirer. Il y aurait beaucoup à dire sur l'ONU et la structure de sécurité. Je veux me limiter aujourd'hui aux institutions de gouvernance économique. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, est moribonde. Les banques de développement vont mal et le FMI ne va pas très bien non plus. Au-delà des questions de moyens financiers, le mauvais fonctionnement vient d'une gouvernance dépassée, désuète, où les pays les plus riches sont surreprésentés. La dernière décision significative sur les quotas à la Banque mondiale et au FMI date de 2010. Et j'appelle de mes voeux une réforme générale permettant à ces institutions de mieux représenter l'économie mondiale. Ce déséquilibre se fait aussi sentir sur les sujets environnementaux. Les discussions sont dominées davantage par les pays responsables de crise que par ceux qui en subissent le plus fortement les conséquences, notamment en Afrique. Vous venez d'entendre une partie du discours de Fong Yassine en Chine. Maintenant, nous allons écouter le discours que son coursier Robert Doucet avait fait à l'ONU. Je pense que vous avez déjà écouté cela, mais je vais encore revenir sur cela avant que nous n'attamions le vif du sujet. Donc, écoutez maintenant le coursier Robert Doucet. C'est d'éviter de prendre part à des rivalités qui ne sont pas les nôtres. Il nous faut porter nos propres combats, qui sont entre autres la lutte contre le néocolonialisme, la lutte contre la pauvreté, l'industrialisation du continent et la prospérité économique, le combat pour la paix, la lutte contre la désafricanisation de l'Afrique et pour la renaissance africaine et la dignité. La lutte pour nous libérer définitivement de toute subordination étrangère. L'engagement pour une meilleure représentativité de notre continent dans le concert des nations et du continent. Nos combats ne sont ni ceux de l'Ouest, ni ceux de l'Est, encore moins ceux d'un quelconque bord ou partie du monde. Nous devons nous concentrer sur nos combats actuels et à venir. La politique internationale ne saurait être réduite à un champ caporalisé
où l'on soit obligé de prendre position en faveur d'un camp contre un autre. Nous voulons un système international réformé, fondé sur des valeurs et des principes que respecte tout le monde et respectueux du droit des peuples à se positionner librement selon leur convenance sur la scène internationale. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes implique le droit de chaque État à se comporter comme il veut sur la scène internationale, dans les limites du respect de ses engagements internationaux. Sur les grands défis transnationaux de notre siècle, comme le changement climatique et la lutte contre le terrorisme international, nos vues peuvent rencontrer celles des autres, mais elles doivent demeurer nos vues, profondément réfléchies et arrêtées conformément à nos agendas propres. Il n'est plus question pour l'Afrique que nous voulons et portons de jouer les rôles de second plan dans la dynamique d'évolution du monde. L'Afrique dont je vous parle n'est plus prête à accepter la propension de certains pays à faire de leurs préoccupations d'ordre géostratégique celles des Africains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au demeurant, les défis de notre monde sont grands et les nouvelles orientations africaines en matière de relations extérieures obéissent à la dynamique d'un renouveau et d'un changement de paradigme. Le temps est celui du réveil africain et panafricain où notre continent a repris conscience de lui-même et de ses responsabilités internes à l'égard du reste du monde. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux de la stricte dignité de chacun. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Cette nouvelle dynamique n'est dirigée, et nous le disons en répétant, contre personne. Elle est l'expression d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique africaine, africanophone, celle qui se veut libre, souveraine, indépendante et maître d'elle-même. En somme, pour la jeunesse africaine, elle est claire, ses mots sont clairs, c'est ceci, nous sommes fatigués par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, vous venez d'entendre deux messieurs. Je crains de vous dire ce qu'un Africain aujourd'hui dans le monde. Nous ne valons rien. Nous tremblons sur leurs joues. Nous tremblons sous leurs mains, éléments futiles de l'histoire. Pourquoi? À cause de ces individus que vous venez d'écouter. Mes chers compatriotes, nous avons à la tête du Togo des faussaires. Je dis bien des faussaires, des gangs et des brigands promus. Le patron de ces faussaires, le chef de ces faussaires, c'est Fonia Singe. Premier responsable et chef braqueur de notre économie. Et qui n'est jamais préoccupé par la souffrance du peuple togolais, mais plutôt du cesse. Il vient de nous dire qu'il est en train de promouvoir les femmes dans notre pays.
quelle promotion ce monsieur donne aux femmes dans notre pays. Faure n'a jamais été préoccupé par la souffrance des femmes non plus, par la souffrance du peuple togolais, mais plutôt du cesse de ces vieilles dames, comment dirais-je, ces vieilles dames rombières, pimbèches, virago, qu'il a placé à la tête des ministères. Toutes ces femmes ganaches ne sont pas dans le gouvernement parce qu'elles sont compétentes ou parce que Faure est en train de promouvoir les femmes dans notre pays. Elles sont au gouvernement parce qu'elles sont douées dans les activités de jambes en l'air avec le chef des faussaires, le chef des sophistes, Faure et Sozinam, Kojovi Nyasimbe, le prince et le fameux futur président du conseil de notre pays. Le voilà ici nous donner des leçons sur la justice. Comme si ce n'est pas du Togo que ce monsieur est en train de parler. Le monsieur utilise la ruse pour bluffer la communauté internationale. Or, cette communauté internationale n'est pas stupide, mesdames et messieurs. Voilà le monsieur qui donne un cours de comment la justice fonctionne. Voilà le monsieur qui nous parle de la bonne gouvernance au Togo. Voilà le monsieur qui nous parle de l'indépendance de la justice. Or, nous savons qu'au Togo, la magistrature, les magistrats sont sous ordre. Nous savons que la justice est une institution inféodée à l'exécutif. Nous savons que la justice togolaise ne fonctionne pas dans une dynamique d'indépendance, mais fonctionne selon les ordres de l'exécutif. Combien sont emprisonnés au Togo injustement? Combien sont traités de terroristes? Combien sont traités d'incitation à la violence? Combien sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État? Combien de politiciens n'avons pas vu dans ce pays emprisonnés injustement? Et voilà ce monsieur, ce fameux Faure Gnassingbé, ce faussaire, qui nous donne des leçons sur la bonne gouvernance. Le voilà en spectacle en Chine, mes chers compatriotes. Si la lâcheté déguisée en sagesse était une discipline olympique, je vous dirais et je vous assure que ces deux personnalités, je voudrais parler de son coursier Doucet, auraient sans doute participé aux Jeux Olympiques cette année en France
et rafler toutes les médailles. Mes chers compatriotes, voilà un pays qui se réveille un matin avec le renversement de sa constitution, sans que le peuple ne soit au courant. Des députés dont les mandats sont expirés, sont arrivés à terme, se sont regroupés à minuit à l'Assemblée nationale jusqu'au petit matin et renverser la République, renverser la Constitution par un coup d'État constitutionnel. Et le lendemain, les Togolais se réveillent avec une constitution de la 5e République, ou bien, oui, dont les Togolais même ne sont pas au courant de ce que ce projet de constitution contenait jusqu'à sa promulgation. Voilà ce monsieur, ce faussaire, qui veut donner des cours sur la bonne gouvernance à la communauté internationale. Mais quelle supercherie! Quelle supercherie! Et quelle grimace! Son coursier Robert Doucet, que vous venez d'entendre, qui est professionnel en matière de sophisme, un homme qui, par ironie du sort, se proclame professeur de philosophie, je ne sais où est-ce qu'il était, dans quelle université il a enseigné la philosophie, et quand est-ce qu'il est, il a le titre de professeur des universités. Un monsieur qui est auteur de livres comme L'Afrique, malade de ses hommes politiques, vous venez de l'entendre. Vous venez de l'entendre à la tribune, je dis bien, à la tribune des Nations Unies, un habit panafricain. Le gars est devenu, en quelques heures, un panafricain. En train désespérément de légitimer son patron, comme si personne ne connaît le système qu'il défendait. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, quelle absurdité de voir ces messieurs, ces faussaires, et spécialement le coursier de son patron, Robert Doucet, se transformer en panafricain. Dire nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Quelqu'un qui a écrit sur les maladies des hommes politiques africains avec son chef, le patron des faussaires, se retrouve aujourd'hui dans un contexte de changement radical. Un coursier qui défend avec zèle un système qui incarne précisément ces mots dont il écrivait dans son livre « Les maladies des hommes politiques africains ». Un monsieur qui expose la vacuité intellectuelle de son patron, Faure, le grand faussaire, puisque c'est lui qui rédige très bien ses discours. Mesdames et messieurs, vous venez, mes chers compatriotes, vous venez d'assister à
une scène de sophisme. Voilà un fort Niasindé qui se livre en spectacle en Chine, qui veut donner des leçons aux institutions de Bretton Woods sur l'économie politique ou bien l'économie dans nos pays, dans le monde. Un monsieur qui veut donner des leçons d'économie au monde entier pendant que les populations togolaises souffrent en silence. Pendant que les populations togolaises manquent de tout, même du strict minimum, l'accès à des services de base comme l'éducation, la santé et l'eau potable demeure un luxe pour beaucoup de Togolais dans ce siècle présent. Après 60 ans de gouvernance sans partage, des moments de diète noire que ce pays continue de vivre. La pauvreté, les hôpitaux sont sous-équipés ou non équipés. Les écoles délabrées et où chaque goutte d'eau potable est une quête épuisante. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, est-ce que ce que rencontrent ces deux faussaires ressemble à notre pays, le Togo? Le chômage et la précarité sont le quotidien des millions de Togolais. La liberté d'opinion et d'expression est rude. Et à rude épreuve, et toutes les voix dissonantes sont soit jetées en prison, contraintes à les îles, comme notre journaliste Ferdinand Haïté. Les assassinats politiques. Et pourtant, au lieu de s'atteler à améliorer les conditions de vie de nos dirigeants, ces deux messieurs préfèrent consacrer leur énergie à manipuler des textes de loi pour s'accrocher à leurs privilèges au pouvoir et veulent faire croire au monde international qu'ils ont opté pour un régime parlementaire au Togo. Or, ce qu'il faut pour notre pays actuellement, c'est d'avoir un état normal où les dirigeants se soucient du quotidien de ces populations. Or, ce qu'il faut, c'est un état où les institutions fonctionne pour le bien-être des citoyens. Il vient de nous dire que c'est pour les institutions fortes qu'ils sont en train de promouvoir le régime parlementaire. Et que les institutions, dans mon pays, le Togo, sont des institutions fortes. Voilà un monsieur qui nous parle des institutions qui fonctionnent pour le bien-être des citoyens. Au lieu de nous dire qu'ils sont dans la perpétuation d'un pouvoir déconnecté de la réalité. Voilà le véritable visage de la Ve République. Un système où la peur est la règle et la liberté une chimère. Voilà. Puisque nous sommes en transition,
vers la 5e République. Nous sommes dans la 5e République. Et dites-moi, si la justice togolaise est juste, si les magistrats disent le droit dans ce pays, si les magistrats et les juges sont indépendants au Togo, dites-moi si ces personnes, ces institutions ne sont pas sous ordre. Alors de quel Togo ce faussaire de Fonia Singbe nous parle? Mesdames et messieurs, c'est le lieu de lancer un appel pressant aux professeurs, aux avocats, aux intellectuels sages de notre pays à arrêter ce cirque. Il faut qu'on arrête ce cirque au Togo. Je pense que les Togolais qui aspirent au changement dans notre pays, s'ils se lèvent aujourd'hui, je vous dis que cette supercherie va s'arrêter. Il est temps de dire aux Niasibé et à leur talon d'Achille que la fête est finie et que le peuple togolais mérite mieux qu'un éternel numéro de prestigitation politique dans notre pays. Un État où les intellectuels jouent leur rôle de virgie. C'est ça que nous voulons. Dénonçant les injustices et proposant des solutions concrètes pour le développement de notre pays. C'est ce que nous voulons. Nous voulons des penseurs. Nous voulons des penseurs. Nous voulons des penseurs. Mais au lieu de cela, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des faussaires, des trompeurs, des brigands qui veulent plonger le peuple dans l'obscurité. Qui veulent plonger le Togo, les Togolais, dans une obscurité profonde. Ils veulent faire vivre le Togo l'enfer. Nous voulons voir des penseurs. Mais aujourd'hui, les penseurs ne sont plus respectés dans notre pays. Ces penseurs qui se transforment en ménétriers et chansonniers de la lâcheté et prêts à sacrifier la vérité pour des miettes de reconnaissance. Mes chers compatriotes, personne n'est dupe dans cette supercherie, certainement. Personne n'est dupe dans cette salle. Ces présidents démocrates ainsi que les acteurs de l'économie présents dans cette salle en Chine ne sont pas des dupes. Ils ont vu d'innombrables faussaires similaires ailleurs. Et ils savent reconnaître un écran de fumée quand ils en voient un. Et ils en ont vu. Ils en ont vu l'autre fois. Et c'est le fond Niasibé. Mes chers compatriotes, il y a des hommes éclairés comme Front Fanon qui disaient: quand vous entendez dire du mal du juif, tendez l'oreille, on parle de vous. Fin de citation. Franz Fanon, dans son livre Les Damnés de la Terre, disait également:
Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur renvoyer une image, même idéale, de leur société et de leur pensée, pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Fin de citation. Le Togo veut voir des hommes neufs à la tête de leur pays. Il veut voir des hommes neufs dans leurs institutions. C'est ça que les Togolais entendent. Pas des médiocres, pas des faussaires qui ne font que plonger le Togo dans l'obscurité profonde. Mesdames et messieurs, Frantz Fanon, comme je l'aimais, disait aussi dans son livre « Peau noire, masque blanc » que si la structure psychologique se révèle fragile, on assiste à un écroulement du « moi ». Le noir cesse de se comporter en individu actionnel. Le but de son action sera autrui, sous la forme du blanc, car autrui seul peut valoriser. Cela sur le plan éthique, valorisation de soi. Fin de citation. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, certains intellectuels et professeurs, pour le ventre, continue de manœuvrer en douceur et dans l'hypocrisie pour perpétuer le règne de Fon Yassimbe, pour vivre au lieu d'être des héros que le Togo attendait. Ils ne sont que des complices silencieux ou pire, actifs d'un naufrage politique. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le silence de ces professeurs de droit, ces éminents professeurs de droit constitutionnel dans notre pays, au lieu d'appeler les étudiants à refuser l'injustice, puisque c'est eux qui leur inculquent ce qu'on appelle le droit. Mais ces professeurs, au lieu d'appeler les étudiants à refuser l'injustice, en silence, apportent leur soutien à cette grimace pantomime. Je voudrais dire que vos consciences vous condamneront devant l'histoire. Oui, Albert Camus disait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il est temps de nommer la réalité telle qu'elle est dans notre pays. Mes chers compatriotes, il est l'heure pour que nous nous levions. Il faut coûte au coûte déboulonner ce système, mes chers compatriotes. Je voudrais dire ce phénomène de l'escule de Fon Yassimbe qui dit que le passage au régime parlementaire éviterait des coûts exorbitants des élections et éviterait la perte de vies humaines. Regardez-moi ces personnes.
Regardez-moi ces personnes. C'est faux ce qu'il est en train de dire. C'est faux ce qu'il raconte. L'instabilité politique n'est pas liée aux échéances électorales. Le véritable problème est celui de l'absence de l'alternance au pouvoir dans notre pays, le Togo. Le maintien du statu quo semble aujourd'hui relever d'une stratégie de conservation de pouvoir bien orchestrée depuis 1967. Le passage d'un régime présidentiel au semi-présidentiel à un régime parlementaire ne changera rien à la situation politique de notre pays si ces faussaires restent à la tête de notre pays, le Togo. Ils ont fait leur preuve et ils doivent partir. Ils doivent partir. Et ils doivent partir. Ils doivent partir. La situation politique a toujours été tendue dans le pays depuis 2005, où on refuse à l'opposition de faire son travail de contre-pouvoir avec une société civile politisée. Mesdames et messieurs, le grand problème du Togo, c'est la conservation du pouvoir. C'est ça le problème du Togo. C'est ça le problème du Togo. La conservation du pouvoir à tout prix par ces individus. On a beau crier que l'opposition togolaise n'existe pas. Elle existe, puisque je suis aussi de l'opposition. L'opposition togolaise existe et pourra faire un bon score et pourra faire quelque chose si ce régime leur donne le droit d'exercer leurs attributions de contre-pouvoir. Oui, l'opposition existe. L'opposition existe au Togo. Et c'est quoi un opposant? C'est quoi un opposant? Il n'y a pas un certificat d'opposant pour devenir opposant, mes chers compatriotes. C'est la corruption et l'argent qui influencent le jeu politique dans notre pays. Oui, c'est ça. L'éducation politique n'est pas suffisamment ancrée dans les mœurs pour que les gens travaillent en leur âme et conscience. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a certains individus dits d'opposants modernes qui sont dans les courses internationales en complicité avec ce système pour convaincre les partenaires du Togo d'accepter cette forfaiture de régime parlementaire. Mesdames et messieurs, il y a une variété de personnalités dans l'opposition togolaise. Il y a ceux qui sont effectivement des gens qui analysent la situation et cherchent donc un changement dans notre pays. Mais il y a aussi d'autres qui veulent seulement des postes pour vivre décemment. Donc le reste leur importe peu. Et qui a l'origine d'acheter actuellement les opposants dans notre pays? Il s'agit du faussaire Gilbert Bawara. C'est lui qui est aujourd'hui à la tête du gantérisme qui consiste à recruter des opposants par des clichés de mensonges, par des clichés de diabolisation de leurs leaders pour les embaucher et les amener dans le gouvernement de Fonia Singbe. Voilà, c'est ça son rôle. Nous sommes donc loin aujourd'hui de la réalité si notre opposition refuse de s'unir contre ce système. Oui, il le faut. C'est là où se trouve notre victoire, chers leaders de partis politiques.
l'unité contre ce système est nécessaire. Il faut cela. Il faut cela. Il faut cela. Aujourd'hui, notre découpage électoral, quand on veut parler du découpage électoral au Togo, il y a certes le territoire, mais il y a également la démographie. On sait, nous savons tous, que les députés siégeant au Parlement représentent les hommes. Par conséquent, on ne peut pas prendre en compte uniquement le critère territorial pour se le faire. Mesdames et messieurs, la combinaison judicieuse des critères territoriaux et démographiques s'impose dans notre pays. Prenons par exemple le Grand Lomé, qui fait à peu près le tiers de la population nationale, se voit attribuer un nombre infime de députés. Le Grand Lomé rassemble la préfecture du Golfe et la préfecture d'Aguanivé. Même le nouveau découpage faisant de la préfecture d'Aguanivé un territoire pose beaucoup de problèmes. Adeti Kopé faisait partie de la préfecture de Zio. Mais là, on l'a intégré dans la préfecture d'Aguanivé. Mais je sais qu'il y a des raisons politiques. Et tout le monde le sait. Les leaders de partis politiques le savent. Qu'il y a des raisons politiques cachées derrière ce système d'aménagement. Voilà ce monsieur qui nous parle ici de la décentralisation, mais qui perpétue dans le mal, en trompant la communauté internationale, en plongeant certains Togolais qui ont des esprits faibles, en les plongeant sous l'eau. Voilà. C'est ça. Cela joue également dans la répartition électorale des sièges au Parlement. Tout est fait pour que le sud du pays, beaucoup plus peuplé, soit défavorisé avec moins de représentation à l'Assemblée nationale au profit du nord du pays moins peuplé. Voilà ce monsieur qui nous parle de décentralisation. Mesdames et messieurs, disons-nous la vérité. Ce système mafieux, c'est qu'en réalité, les grandes villes où les contradictions sociales sont fréquentes sont acquises à l'opposition. Donc le RPT Unir use de tous les moyens possibles pour réduire au maximum leur représentation à l'Assemblée nationale. C'est dans cette optique que notre opposition veut gagner les élections au Togo. Vous voyez aujourd'hui que cette affaire n'est pas seulement pour l'opposition. C'est une affaire de tout un peuple. C'est un peuple qui doit se lever et refuser l'inertie pour combattre ce système et les faits déguerpir du pouvoir. Ce n'est pas une affaire de quelques technocrates. Mais c'est une affaire de tous les citoyens pour renverser ce système. C'est aujourd'hui ou jamais. Notre pays, le Togo, aujourd'hui ressemble de plus en plus à la Corée du Nord et aussi la manière dont Poutine a réduit l'opposition dans son pays. Toutes les personnes qui refusent de s'aligner sur la politique sont réduites au silence par la force. Voilà
ce que nous vivons au Togo. Aujourd'hui, ce système qui a pris les Togolais en otage ne s'embarrasse même plus quand il s'agit de sauver leur apparence à l'international. Le droit à la liberté de réunion pacifique et le droit à la liberté d'expression garanti par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ratifiée même par ce système n'est jamais garanti dans notre pays, le Togo. Comment comprendre que ceux qui mettent en avant la nécessité de protéger et renforcer les droits et libertés fondamentaux des citoyens peuvent justifier le renversement de la constitution de notre pays sans que le peuple ne soit au courant. Je voudrais dire à la société civile de lutter pour le peuple et de dépolitiser cette noble institution. Car, comme le dit Elie Wiesel, laissez faire l'assassin, le torsionnaire ou la mort, c'est se soumettre à leur loi et devenir leur complice. Peuple togolais, nous devons agir. Nous devons agir et continuer de dénoncer ce système. Non seulement de continuer pas dénoncer ce système, mais de trouver des moyens possibles pour arrêter cette machine mafieuse, cette machine de destruction massive de notre pays. Il faut coûte que coûte l'arrêter. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et c'est maintenant qu'il faut l'arrêter. Je vous remercie.